L'opus 50, on l'a découvert très tôt, puisque le premier quatuor de cet opus, c'est tout simplement le premier quatuor qu'on a joué. On a eu envie de se concentrer sur Haydn, qui est de la musique très très vivante et très fraîche, souvent très joyeuse, très heureuse, très éloquente et terriblement moderne en fait, parce que c'est de la musique qui est loin de nous pour l'époque à laquelle elle a été composée, mais qui est très proche de nous pour les émotions qu'elle véhicule. Haydn, il écrit de la musique purement classique pour mieux casser les codes. Il est en permanence en train de jouer avec les thèmes, les motifs. Il est en permanence en train de casser les barrières, des structures, de l'harmonie. C'est pas si souvent avec la musique classique qu'on rit, par exemple. Cette musique, elle dégage quelque chose qui est très difficile à faire, je pense, pour un compositeur, c'est la joie, le plaisir, c'est un divertissement pur sans pour autant aller là où on l'attend. Dans son discours musical, dans sa musique, il inclut Monsieur Tout-le-Monde au quotidien, avec son lot de souffrance, de gaieté, de joie, d'impatience. Le côté plaisantin, le côté vivant, le côté heureux, le côté colérique parfois, le côté très proche des émotions qu'on peut ressentir quotidiennement, nous. Et l'opus 50, c'était un petit peu spécial parce qu'il y a les quatuors tubes de Haydn, qu'on connaît tous, et là, c'était vraiment une découverte quand on les a déchiffrés, et c'était un plaisir vraiment particulier de découvrir de la musique géniale qu'on n'est pas déjà entendu mille fois en disque ou en concert. Pour moi, c'est vraiment l'occasion avec cet album de faire découvrir cette musique qui me touche beaucoup et qui me fait aussi beaucoup rire. On a donc ce lien fort avec Haydn, on le surnomme le père du quatuor à cordes. On imagine une figure autoritaire, un peu rétrograde, alors que quand on étudie son répertoire, son œuvre, ses quatuors dévoilent une personnalité vraiment excentrique, avec beaucoup d'humour, un esprit très fertile, très généreux. Des fois, j'aime bien penser que c'est plutôt une sorte d'oncle qui amène plein de cadeaux, des friandises et qui nous laisse faire plein de bêtises.